Le premier travail que j'ai fait, ça a été en France de lire des choses à propos de l'histoire des mines ici au Yonego. Notamment à propos d'événements marquants comme des mouvements sociaux importants. Le pasamos fotografías de todo lo que era la minería en Olloniego, algo de la historia de la minería de Olloniego, pues algunas cosas que nosotros tenemos recopiladas porque hacemos exposiciones fotográficas y un poco de historia que fuimos recuperando y los ponemos cuando la fiesta del carbón y algo de esa documentación se la pasamos para que él tuviera un referente sobre Olloniego. Là-dessus, j'ai commencé à dessiner assez librement sur le mur, sans avoir de plan extrêmement précis. J'ai commencé à tracer des reliefs imaginaires qui me semblaient évoquer un peu ces différentes couches terrestres, la descente dans un univers profond. De l'image serait juste des morceaux de charbon ou d'anthracite, pour être plus précis. Qui représentent vraiment le matériau qui était extrait et qui viennent parler de la façon dont l'homme exploite la terre. Je vais mettre en relation ces éléments monumentaux et très forts avec un côté un peu plus illustratif qui vient aussi rappeler le passé minier d'une manière un peu plus douce aux personnes qui habitent ici. Oui, c'est une image qui parle de labeur, de travail et d'extraction des ressources terrestres avec toutes les fins qui sont possibles. Je sais bien qu'ici il ne s'agit pas du tout de mine d'or, hein, mais je voulais quand même donner un côté un peu doré à l'image. Je trouvais ça intéressant dans le côté aussi de glorifier un peu le passé, de rendre l'image un petit peu dorée, en tout cas par endroits. Me semblait intéressant et d'autant que ça s'opposait assez bien à des faux noirs qui viennent eux représenter vraiment le charbon. Oui, parce que finalement c'est aussi un outil qui a été utilisé dans les mines et de tomber sur des chevaux sauvages, en tout cas personne aux alentours pouvait nous dire à qui ils étaient, donc je suppose qu'ils étaient à peu près en liberté. C'est ça qui a créé un peu le déclic pour moi de représenter plutôt des animaux que des êtres humains. No, es verdad que no hay nada que recuerda la historia de la minería de Olloniego, porque quieras que no, los pozos están un poco apartados de lo que es el núcleo de habitantes de Olloniego. Y este mural va a hacer algo de representación en lo que es que se sepa que es un pueblo minero.